皆の者、どうか静粛に。長きにわたり我らがベルムントは真の君主不在の時代を送ってきた。それは承知だろう。この竜骨の玉座も戦王エルランドゥ以来数十年主を求め続けてきた。だがそれはもはや過去の話。もう耐える必要はないのだ。今まさに摂政公が統治する時代は終わりを迎えた。今こそ皆で称える時が来た。我らが待ち望みしよう。閣下王様のご到来を。おお、なんと凛々しいお姿。陛下に永遠の忠誠を。ああ、陛下、どれほどこの時を待ちわびたか。刮目せよ、竜骨の玉座、竜に選ばれ、竜を滅ぼせし者のみが座すことを許された場所が、今まさに正当なる主を得たり、我ら幸いなり。我ら幸いなり。閣下王こそが我らが崇めるべきものであり、真実の王だ。王に祝福あれ。王に祝福あれ。我らは皆王の治世が末永く続くことを願い、そしてまた永遠に王の助けとなることを心に誓わん。我らがベルメント王に。我らが王に。各社よ、竜をほふらんとする者よ、この世界の真なる姿を民と欲するなら、貴様は断りを捨てねばならぬ。心を捨て、命をも捨てる覚悟で。貴様の意志を示せ。運命を変えうるのは汝の意志のみなのだ。We'll be right back.
Bon, vas-y, chérie, on joue à quoi? Je sais pas, Minecraft. Oh non, sérieux, t'es relou avec Minecraft. Je sais que c'est moi qui t'ai appris à jouer, mais c'était il y a 10 ans. On peut peut-être changer de jeu un peu maintenant. Non, tu peux pas jouer à autre chose, je sais pas. FIFA? À FIFA? Sérieux, tu veux jouer à FIFA? Moi, je veux bien, hein, mais... Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Hein. Ouais, mais genre, tu sais jouer à FIFA, toi? Je sais pas. Je trouve pas que ça sent le gaz. Le quoi? Mais où je suis, moi? C'est froid, humide, sombre. Il y a l'air d'y avoir des barreaux. Je suis en cage. Il y a quoi qui m'entoure? Il y a des gens. Lui, il a une tête normale. Il a une tête normale. Oh putain, il y en a un avec une tête de chat. C'est un cagite. Je commence en prison. Un avec une tête de chat. Je suis dans un Elder Scroll. Je suis dans quoi? Dans Oblivion? Dans Skyrim? Quitte à me retrouver dans un monde d'Heroic Fantasy, j'aurais préféré sombrer dans les clichés, j'aurais préféré commencer par me réveiller sur une plage, hein, je vous le dis tout de suite. Bon. Attends, Ben, réfléchis. C'est à moi que tu parles? Putain, je comprends rien quand il parle. Hein. Il parle en japonais, hein. Ah bah c'est bien ma veine, ça. Non seulement je me retrouve dans un truc qui n'est pas le mien, mais en plus, je me retrouve avec des gens qui parlent en jap. Oui. Et tu veux quoi? Ta tête me dit quelque chose. T'as pas la tête de Tiberceptime, mais ta tête me dit quelque chose. Bon, écoute, je suppose qu'il veut qu'on le suive. Allons-y. On verra bien, il a l'air de bonne humeur en plus. Bon, alors attends, Ben, calme-toi, fais le point. Qu'est-ce que t'as dans ton champ de vision? Des couloirs sombres et humides, donc je confirme, on est bien en prison. Tiens, j'ai l'air d'avoir une boussole sur le côté. C'est chelou ça. Une barre de vie, en dessous une barre de ressources. Je suis dans un jeu vidéo. Ça me rappelle vaguement quelque chose. C'est quoi les jeux que t'as fait où ça pourrait te rappeler quelque chose? Réfléchir et puis je suis mal à la tête. En plus, je comprends que dalle avec les gens qui me parlent en japonais. Je vois pas trop comment je vais pouvoir me débrouiller. Attends, ça s'agrandit. Ouais, l'endroit me dit quelque chose. Hein, je te confirme. Observe. Ah, alcoolisé, on dirait alcoolisé du dragon ancien dans Farum Azula dans Elden Ring. Oh là, j'espère que je suis pas dans Elden Ring, hein, parce que sinon je suis pas dans la merde. Comment je vais m'en sortir? Bon, attends, alors, si je suis dans un jeu vidéo, je dois avoir des choses à disposition. On va essayer les ressources de base, par commande vocale peut-être. Déconnexion. Oui, c'est bien ma veine, la commande vocale fonctionne, mais... Je peux pas me déconnecter. Si c'est un rêve, je vais bien finir par me réveiller. Ah! À toi aussi, ta tête me dit quelque chose. Je comprends toujours rien quand tu me parles, mais. T'as la tête de l'insurgé qui sert dans le prologue du premier Dragon's Dogma. Ah, mais oui, mais je suis con, moi, un site d'excavation. Le mec à la tête de l'insurgé. Je suis dans Dragon's Dogma 2, en fait. Avec 15 vidéos sur le sujet, normalement j'ai un peu épluché le jeu, je dois pouvoir m'en sortir. Alors attends, il veut que je le suive, il va m'emmener sur le chantier. Si ça suit l'histoire, je crois qu'il va me demander de ramasser des cailloux. Écoute, on va voir, avançons, hein, on va être obligé de se laisser un petit peu porter, on va bien voir. Après, qui a eu l'idée à la con de passer le jeu en japonais? Je te le demande. C'est vraiment une... Juste comme ça, pour le délire, j'essaierai bien avec les voix en japonais. Je me demande ce que ça fait de... Ça doit changer un peu le jeu, ça doit être marrant. Non, mais en même temps, oublie, c'est pas très important comme question. Bon, allez, allons voir notre copain, suivons-le. Voilà le contremaître, là, l'autre énervé. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs, monsieur. Vous vous rendez pas compte. Heureusement que les commandes vocales, elles sont pas en japonais, hein, parce que
Je serais pas dans la mouise, hein. Je te raconte pas si s'il faut tout traduire. Voilà, c'est bien ça. Il faut que j'aille ramasser des cailloux. Génial. C'est bien ma veine, ça. Quitte à être envoyé dans un monde parallèle, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus agréable que le bagne. Hein. Je te le cache pas. D'autant que, si je me souviens bien, la suite, elle est pas folichonne non plus. Bon, écoute, allons lui chercher ses cailloux. À l'écran, ça me paraissait tout petit, mais en vrai, ça a l'air... mes lombaires, mes lombaires. Oh putain, c'est lourd. Ah, t'as l'air coincé, toi. Attends, je vais essayer de t'aider. Ah oui, d'accord, bon, ok. Eh ben, je vois que l'intelligence réelle et l'intelligence artificielle, c'est pas beaucoup mieux, hein. Bon, je te laisse, hein. Je vais me... Ah, mais laisse-moi passer. Mais... Putain, tu vois pas que je porte un truc lourd. Je te confirme, l'intelligence locale n'est pas au top, hein. Je suis pas avec les couteaux les plus aiguisés du tiroir, visiblement. Oh la vache, ça pèse un âne lourd, ça pèse un âne mort ce truc-là. Qu'est-ce que... Ah putain, c'est encore loin, t'es où? Hé hey, copain. Oh le... Ben tu presque... Attends, si je dois faire ça 50 fois... Voilà. T'as ton caillou, t'es content? Je te remercie. Ah oui, l'explosion, j'avais oublié cette explosion. Non, c'est pas une bonne idée d'y aller. Non, restez là, je vous dis que c'est pas une bonne idée. Moi, je me souviens de ce qu'il y a plus loin. Reviens, on va essayer de se tirer plutôt. On ferait mieux de trouver une solution pour se casser, je te le dis. Franchement, je suis pas très motivé pour faire des relents de mythologie grecque. Je suis pas percé, moi, j'ai pas envie de me taper une méduse. Et bah voilà, la gorgone, la vieille toute moche avec ses cheveux en serpent et ses seins qui tombent. Merci les amis. Pourquoi je l'ai suivi en même temps, lui, c'est pour me foutre dans la merde comme ça. Bon, quand on commence dans les isekai, on a toujours un skill cheaté là. C'est quoi mon skill cheaté à moi? Allez, je sais pas, moi, un sort badass, une arme qui tabasse. Je sais pas, donnez-moi un truc, qu'on la fasse se casser et qu'on puisse se barrer. Ah ouais, des armes de base, cool. Bon, j'ai toujours rêvé de tirer à l'arc, mais je suis pas sûr d'être né avec les skills qu'il faut. La magie, je sais pas l'utiliser, même si je kiffe. En plus, c'est long à incanter. Je crois que là où j'ai le plus de chances de survivre, ça reste avec une épée. Hein, une épée et puis éventuellement un bouclier. Et puis bon, bah comme j'ai déjà joué aux jeux vidéo, on va aller se foutre derrière elle pour éviter de croiser son regard. On va se dire que c'est là qu'on a le plus de chances d'y arriver. Allez hop. Oula. Ouh, ça glisse. Ouh. Oh, la sensation des écailles est pas très agréable. Hein. J'aime pas la bébête. Hein. J'avoue, c'est pas le meilleur moment de ma vie. Je crois qu'on va faire comme dans le jeu. Hein. On va essayer de la faire se... Essayer de la frapper pour la faire se barrer. Trouver une solution, nous, pour nous tirer derrière. Allez, est-ce que je pourrais lui couper la tête? Ce serait peut-être un peu trop demandé. Si j'arrive à lui couper la tête dès le tuto, là, comme ça, que je commence avec une tête de gorgone conservée. Ça pourrait être ça, mon skill cheaté. Allez, tirez-lui dessus. Ah, je sais aussi que dans le jeu il y avait de l'endurance, mais en vrai c'est plus fatigant qu'autre chose. Hein. Et puis alors, il doit y avoir du friendly fire, mais merci de pas vous soucier de moi là quand vous tirez vos flammes là. C'est pas comme si j'avais chaud aux fesses. Hein. Allez, ouais, c'est ça. Tire-toi, madame. Allez, va-t'en. Et reviens pas surtout, hein. Va t'acheter un soutif. Nous, on veut plus te voir. Bon, dis donc, copain. Là, on se tirerait pas, là, des fois, par hasard? Ah, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je l'avais oublié.
En plus, je me souviens plus du tout de ce qu'il raconte dans le jeu. Tu me fais mal à la tête, là, à me parler en jap, là. Je comprends pas. Je suis désolé, je parle pas japonais. Watashi wa nihongo hanasanai, je te dis. Putain, je comprends rien. Je ne comprends rien. Wakarimashika? Bon. Allez. On se tire. On se tire. Ouais, ça y est, le contremaître nous a vu. Et cours, cavale. Te retourne pas, cours, je te dis, cours. Et on se casse, on se casse, on se casse. Ah merde, au bout, il y a une falaise, si je me souviens bien. Est-ce que il y aura le griffon en bas comme dans le jeu? Bon, je sens bien que c'est une idée de merde de sauter. Youhou ! Nous voilà ! Il était bien là, le griffon. Oh la vache, c'est haut. J'ai un peu de vertige là, j'avoue. Bon, monsieur le griffon, si on se cassait. Allez, on se tire maintenant. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. On vous a assez vu. Adieu le bagne. Et je reviendrai pas, surtout. Allez, je m'envole. Ciao les mecs. Bon après, j'espère que le griffon il nous emmène pas dans son nid. Qu'il va pas nous prendre pour ses petits parce que... en tout cas, on respire mieux au grand air que dans les caves. Hein. Ah ben, back battle. Ouais, je suis bien dans le monde de Dragon's Dogma 2. Hein. Non les mecs, vous dérangez pas pour nous, on fait que passer. Non, c'est bon, on se tire, ciao. Ouais, passe les montagnes. On va aller vers Wentworth, tu verras, on y sera mieux. À la côte, c'est magnifique, ça valait le coup de profiter du panorama. Oula, les tours de guet. Reste pas trop près des tours de guet là. Tire-toi parce que je suis pas. Attends, comment ça se passe dans le jeu? Ah oui, on arrive jusqu'à Vermont. Et c'est. Je crois que c'est Ulrika qui est censé nous tirer dessus. Et j'espère que ça se passe pas pareil. Ça doit être à ce point. Un cure-dent arrive! Un cure-dent arrive! Ah, mais putain, mais je vais pas réussir à tenir dessus. On va se ramasser, mon ami. On va se ramasser. Ah là là, le piaf ne vole plus. Oh ma tête. Oh. Je me réveille. Ah bah non, je suis toujours à Vermont. Je croyais être dans un... Ah le Kraken, j'avais oublié le Kraken. Et voilà, je me retrouve catapulté dans un monde dont je vais pas me réveiller avec une tenue ridicule. Je sors de tôle, je pue la sueur, je me suis vautré 3 fois. Et je vais pas pouvoir prendre de bain, tout ça, parce que chez Capcom, ils ont pas voulu programmer de capacité de nager. Voilà, merci les devs, merci les amis, merci les mondes parallèles.
Ah, les soldats de Vermont. Je les avais oubliés. Bon, peut-être qu'ils parlent une autre langue, eux. Eh ben non, c'est bien ma veine, il parle japonais également. Oh là là, comment je vais m'en sortir dans ce monde. Au début, ça va, hein, je sais, là pour le coup, il me demande juste de les accompagner jusqu'au camp, donc je devrais réussir à m'en sortir. Mais. Bon, allez, vas-y, montre le chemin, hein, je te suis, hein, mon grand. Hein. Ah, en plus, il n'y a que lui qui m'escorte. En fait, je pourrais me tirer. Je me sens pas vraiment sous bonne garde. Bon, au moins, il me raccompagne pas au bagne, hein, c'est déjà ça. Je pourrais m'arrêter pour ouvrir le coffre, là, s'il te plaît. Arrête-toi, il y a un coffre. Bon, après, il n'y a jamais qu'une potion dedans. C'est pas grave, hein, je reviendrai la chercher, mais... ça m'aurait pas forcément été inutile, là, parce que, du coup, on n'a pas vraiment de capacité de soins, et si je me souviens bien, il y a des gobelins sur la route. S'il te plaît, monsieur, j'ai pas prévu de faire un footing. Eh, oh, t'es gentil, mais je viens de me ramasser une gamelle en piaf, moi. Et je porte un bouclier en plus, j'ai pas forcément envie de courir. Oui, je sais, t'as une armure, mais toi t'es entraîné, t'es un soldat. Moi je suis gros. Eh ben voilà, la famille de Gollum, c'est bien ce que je disais. Des gobelins. Oh la vache, ils sont aussi moches qu'en vrai. Que dans le jeu. Super. Oui, oh, puis alors, jetez-moi des trucs, hein, je vous dirai rien. C'est quoi ces pavés là, les gilets jaunes? Je me fais agresser par des gilets jaunes. Allez, cassez-vous. Finalement, je suis bien content qu'il soit avec moi là, le garde, parce que j'aurais pas forcément géré les trois tout seul. Puis j'aurais bien essayé la magie, mais je suis quand même plutôt content de la classe que j'ai pris, parce que j'avoue que dans un jeu vidéo, c'est pas forcément ce que je préfère, mais en vrai, je sais pas comment je m'en serais tiré autrement. Bon, et bah écoute, on va prendre le loot, hein. Des cornes de gobelins, super. Pas trop ce que je m'en foute, je vais m'en servir. Pour améliorer mes armes et mes armures. Enfin, tu me diras, si mon armure, ça se limite à ma tenue de bagnard, je vois pas trop ce que je vais améliorer. Hein. De mémoire, il y en a d'autres. Voilà, les voilà, super. Ah oui, sautez-moi dessus, je vous dirai rien. En tout cas, je ne me toucherai pas. Je ne veux pas. Voilà, j'espère qu'il s'occupe de l'autre, hein, qui va pas me prendre en revers. Allez, casse-toi. Voilà, et le dernier. Et dis donc, tu défends bien, mais tu tapes pas très fort à l'épée. Hein. Voilà. Bon. Ah, mais je gagne aussi de l'expérience. Niveau 2. Bah, ce qui veut dire qu'il va falloir XP pour survivre. Super. J'aime ça dans les jeux vidéo. Je sais pas si en vrai c'est vraiment une expérience que je voulais vivre. Hein. Allez, descends jusqu'à ton village et merci de marcher, c'est cool, je te remercie. Ouais, évidemment, il suffit que je dise ça. Non, moi je cours plus, moi. Tu cours tout seul si tu veux, mais si tu veux que je te suive. Et voilà, le camp. Ah, j'avais oublié qu'il y avait un comité d'accueil devant. Évidemment, ils vont encore tous me parler en japonais. Voilà, bonjour messieurs, dames, moi c'est Ben. Jolie la main qui brille. Ah oui, prosternez-vous. Effectivement, donc du coup, je suis bien l'insurgé. Mais je pense que c'est le charisme des guenilles qui font qu'ils s'agenouillent devant moi. Tu verras mon pote quand tu auras du charisme toi aussi un jour. Oui, je te suis. Je vais donc invoquer mon pion principal, ce qui veut dire que je serai pas tout seul, c'est déjà ça de pris. J'aimerais bien me constituer un harem en vrai.
quitte à être dans un jeu, autant en profiter. Par contre, il n'y a pas d'éditeur de personnages. Je vais tomber sur quoi, moi? Faut que je pose ma main là-dessus? Ça brûle pas ton truc, j'espère. Moi, je suis pas chaud, là, hein, je te le dis tout de suite. Bon, vas-y, sur quoi je vais tomber? Allez, ça va. Ok, ça va. Je la pose dessus. Oh! Toi! Coucou, tonton!